Si l'on avait mis en quarantaine tous les hommes de 40 ans, l'humanité en serait à peine au Moyen-Âge et pour longtemps. Louis Pasteur n'aurait pas découvert son vaccin à 63 ans. L'avion de Clément Allais n'aurait jamais quitté la Terre. Il avait presque 50 ans. Si l'on avait mis en quarantaine les hommes de 40 ans passés, l'automobile de Monsieur Daimler serait encore à inventer. Si l'on l'avait mise en quarantaine, tous les hommes de 40 ans, il y aurait peut-être moins de problèmes pour la jeunesse. Et pourtant, Victor Hugo n'aurait pas écrit Les Misérables à 60 ans, et Pierre et Marie Curie auraient fini tout juste à temps. Un an plus tard, c'était trop tard. Voltaire et Rousseau ainsi que Marx seraient d'illustres inconnus. Si l'on l'avait mis en quarantaine, les hommes de 40 ans et plus. Aujourd'hui l'on met en quarantaine tous les hommes de 40 ans. Demandons jeune cadre en moyenne de 25 à 35 ans. Mais avec une bonne expérience et de la personnalité, de l'ambition, des références à venir assurer, assurer pour quelques années. Puisqu'ils ne seront en quarantaine qu'à 40 ans et pas avant, ils auront le temps de prospecter pour ne pas se retrouver sur le pavé. Non, ne mettez plus en quarantaine tous les hommes de 40 ans. Sous prétexte que la vie moderne vous fait un homme à 17 ans. Souvenez-vous, à 43 ans, un certain John F. Kennedy était un tout jeune président. Alors, à mon avis, il faudrait leur laisser le temps. Ils ont encore du sang dans les veines, qu'ils vous le donnent et puis après, vous pourrez nous mettre en quarantaine, vous n'aurez rien à regretter.